place des médecines complémentaires est un sujet très important pour moi, très très important. C'est aussi la voie dans laquelle je me suis engagée et c'est une voie dans laquelle j'ai pu apporter quelques contributions, entre autres aux éditions Jouvence, pour ne pas les nommer. Et c'est quelque chose qui a du sens. C'est une médecine qui est, de mon point de vue bien sûr, mais totalement respectueuse de qui est la personne à partir de là où elle en est. Donc elle permet l'émergence du meilleur de chacun. Nous avons, c'est aussi le point de vue de la Gestalt, mais pas que, nous avons la capacité de produire des mécanismes qui vont nous permettre d'aller mieux. Et nous le faisons à chaque instant, hein. Nous produisons ça tout le temps. Le fait d'aller voir un thérapeute qui va aider à l'émergence de tout ça, eh bien, nous laisse en relation avec notre puissance, d'une certaine façon, et d'une façon certaine. Elle s'exprime aussi comme ça. C'est-à-dire, aller déplier, aller aider à mettre au jour nos propres mécanismes, c'est aider aussi à faire vivre notre propre lumière, notre propre puissance. Quand je dis puissance, c'est le « je peux », hein. C'est comment je peux aller vers, comment je peux aller dans la vie, à partir de quoi, sur quoi je m'appuie, sur quoi je peux me poser, mais pour me poser, il faut que je puisse m'appuyer. Et c'est aussi le rôle d'un thérapeute, offrir cette surface d'appui pour que la personne du coup puisse se lever et aller vers ce qui est important pour elle. Donc ça demande bien sûr d'avoir fait soi-même un vrai travail, de le continuer, parce qu'il n'est jamais terminé totalement, pour pouvoir être la plus surface d'appui possible pour l'autre.